On savait que qu'Anderlecht c'est une bonne équipe, surtout ici à chez eux, ici à la maison, c'est compliqué. Et on savait, quand tu joues les playoffs, hein, il n'y a pas de match facile à jouer. Mais nous, on a sorti avec beaucoup de calme, de sérénité dans la tête. On a passé des moments difficiles aussi. Et voilà, c'est ça, des fois le football, il faut savoir souffrir, pas encaisser des buts, garder les zéros. Et voilà, on sait que devant, on a des attaquants qui sont dans un très très bon moment et qu'avec une, deux, trois occasions, on peut marquer. Donc je pense que c'est un match compliqué, mais c'est nous qui avons profité des occasions de but. Non? Une donne première minute chez les pros après les quelques minutes en stage, c'est assez énorme de commencer en Anderlecht dans un contexte pareil. Ouais, c'est sûr, c'était impressionnant et surtout on a les trois points à la clé, donc c'est le plus important pour l'équipe. J'ai essayé de jouer mon jeu, je restais concentré. Voilà, sur un terrain il y a des supporters, mais on est 22 au final, donc voilà, il faut rester concentré sur ça. Et à quel moment est-ce que tu as su que tu allais démarrer ce match? Hier soir j'ai eu une discussion avec le coach, il me l'a dit. Il t'a parlé longtemps, qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Il m'a demandé si j'étais prêt, il m'a parlé un peu tactique, il m'a guidé, il m'a posé des questions, si j'étais bien mentalement, si j'étais prêt. Moi je lui ai répondu que j'étais prêt et que j'attendais ça depuis longtemps. Tous les jours ils m'ont parlé, ils m'ont dit ne stresse pas, reste tranquille, fais comme aux entraînements, il n'y aura aucun problème, tout va bien se passer. Tu aurais pu aller autre part, tu es venu dans un club qui pouvait jouer la tête du championnat. Ça a été difficile au début et maintenant c'est le cas, donc j'imagine que tu es heureux d'être au Standard actuellement. Oui, bien sûr, je me rappelle de ça que j'ai dit au début, de pourquoi je suis venu ici. Et voilà, tout le monde le sait, le Standard avec les supporters, avec son stade, c'est un grand club. Et voilà, tout le monde a envie d'être le plus haut possible. Maintenant, on est là et voilà, il faut avoir des camps, continuer. Il reste deux matchs importants et essayer de finir le plus haut possible.